Lancement officiel rallye scolaire ça sous réduction risque catastrophe ak éducation pour développement durable té occasion pour responsable renouveler engagement yo pour continuer renforcer résilience population an, par rapport à phénomène environnemental yo. C'est une démarche qui vise tout sensibiliser écolier yo sur comportement yo doit adopter par rapport à risque catastrophe yo et puis impliquer yo davantage dans action qu'ap entreprendre yo. Premier ministre Garry Conille qui était présent dans l'activité a souligné nécessité qui gagne pour transformer l'environnement par rapport à crise catastrophe. Il mandé élèves à adopter attitude qui montre respect pour l'environnement. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront tout votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources, la réparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. En se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre monde. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Représentant et spécial adjoint secrétaire général ONI en Haïti, Ulrika Richardson, fait qu'on est l'important pour continuer à mobiliser les élèves l'école et les leaders communautaires en faveur de l'environnement. C'est dans ce contexte que le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle d'une importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations Unies en Haïti, à travers ses agences présentes dans tous les pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. Ministre Environnement Moïse Fils Jean-Pierre met accent sur le problème environnement qui nécessite intervention urgent dans le moment. Soubopal ministre éducation nationale et formation professionnelle là Augustin Antoine fait qu'on ait éducation c'est clé pour lever défi environnemental là. Li promet pour continuer à accompagner élèves pour permettre yo impliquer yo dans renforcer dispositif pour vulgariser éducation sur environnement. Je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire. Les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. Je veux devant vous prendre l'engagement de continuer à accompagner ces élèves, de voir avec mon collègue du ministère de l'Environnement quoi faire pour renforcer le dispositif qui est déjà mis en place en vue de vulgariser les programmes portant sur l'éducation à l'environnement. Pour cette année 2024, le ministère de l'Éducation, de l'Environnement, avec l'appui également de la protection civile, l'UNESCO aussi, veulent mettre la phase sur le thème gestion de risques et catastrophes naturelles. Elle entend également développer chez chaque citoyen et chaque citoyenne une conscience environnementale en vue de susciter l'implication de la société entière dans la lutte pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Gouvernement en tête collé avec partenaire international cap travaille sur question environnement dans pays d'Haïti yo engagé yo pour transformer environnement à travers démarche ça cap gain pour impliquer diverses couches dans société.